Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, que Dieu vous bénisse, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Épicalise l'ombre du Tout-Puissant. L'ange lui répondit. Connectez-vous. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le marabout doit vivre. Ça, c'est le doigt de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Qui peut la contester. Connectez-vous. Même le sorcier doit vivre. Ça, c'est le doigt de Dieu. Mettez-moi les cœurs. Picaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Le marabout doit prier. Ça c'est le doigt de Dieu. Et Picaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même le sorcier doit prier. Ça c'est le doigt. Mets-moi les cœurs, partage le live s'il te plaît au maximum. Partage s'il te plaît. Partage s'il te plaît. Sous ton ombre, bébé. Sous ton ombre, bébé. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. Je veux vivre ta grâce qui couvre de tout. Sentir ta présence. Partage, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. Mon Dieu est amour. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. S'il te plaît. Je veux vivre ta grâce qui couvre de tout. Sentir ta présence, mon Dieu est amour. Sous ton ombre et je veux qu'on monte rapidement, s'il te plaît. Partage le live, s'il te plaît. Sous ton ombre et invite le maximum de personnes. Dis-le que le prophète ange d'Avat est en direct. Yes. C'est ta puissance. C'est ta puissance. Tac le maximum de personnes, je vais parler ce soir. Aïe, aïe. C'est ta puissance. Qui peut la contester? Même les sorciers. Ça se veut pas. Et puis carrément. Appelle le maximum de personnes, s'il te plaît. Je veux parler des choses importantes. Appelle rapidement, s'il te plaît. Ça, c'est le doigt de Dieu. Épicaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même le sorcier doit dire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, oh, je célébrerai ta. Ne m'appelez pas. Sous ton ombre, partage au maximum, s'il te plaît. Sous ton ombre, je célébrerai ta. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. De tout. Senti ta présence, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. Invite-les, invite le maximum de personnes. Invite le maximum de personnes, s'il te plaît. Tag-les, invite-les. Dis-leur que le prophète ange va être en direct, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes. Je vais parler pour la gloire de Dieu. Je vais parler vraiment des choses très très importantes, s'il te plaît.
Je suis en Côte d'Ivoire. Tag le maximum de personnes, s'il te plaît. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Pendant que la musique sera en train de passer, je veux que tu tagues le maximum de personnes, s'il te plaît. Ce soir, je ne vais pas être long, mais disons ce matin, cet après-midi, les 15h, 20h de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être long. Je vais parler des choses très, très importantes, s'il te plaît. Donc, appelle le maximum de personnes, tague le maximum de personnes. Je veux qu'on monte rapidement pour la gloire de Dieu. Mettez-moi les cœurs et mettez-moi les étoiles, s'il vous plaît, excellent enfant de Dieu. D'accord? S'il te plaît, appelle le maximum de personnes. Je vais parler de quelque chose de très, très important. Quelque chose de très, très important. J'ai pris le temps de pouvoir expliquer cela il y a très longtemps. C'était concernant un jeune. Et j'ai pris le temps de pouvoir parler de cela il y a très, très longtemps. J'ai pris le temps de parler par rapport à ces choses. Et je vous ai dit, attention, attention, parce qu'il y a quelque chose que je vois dans le monde spirituel. Et cet après-midi, il faut que j'en parle. Je ne voulais pas en parler parce que... voilà. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé, m'a mis à cœur d'en parler par rapport à ce jeune-là. De parler par rapport à cela. Donc, je veux que tu puisses taguer le maximum de personnes. Et si tu le connais, tague-le rapidement, s'il te plaît. Tague sa maman également, rapidement. Je vais parler des choses très, très importantes. Hein. Donc, partage au maximum pour la gloire de Dieu. Je veux que tu partages rapidement pour la gloire de l'Éternel. Appelle le maximum de personnes, s'il te plaît. Célébrer ta gloire sous ton ombre, 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 célébrer ta gloire. Moi, je veux vivre ta. Appelle-les, s'il te plaît. Tague-les rapidement, s'il te plaît. S'il te plaît, allons-y rapidement. Mon Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, célébrer ta gloire, sous ton ombre, sous ton ombre, Jésus, Jésus. Partage au maximum, s'il te plaît. Je veux qu'on atteigne rapidement un grand nombre, s'il te plaît. Oui, ma zambé. Appelle-les, s'il te plaît, appelle-les, s'il te plaît. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Le Baraba Satara. Tag le maximum de personnes. Il faut qu'on monte ce soir. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Lelo Kembo, Lelo Kembo, je veux vivre ta grâce qui couvre de tout, sentir ta chaleur, mon Dieu est ta mort, et puis guérison, l'ombre du Tout-Puissant. Amen, 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 amen. God bless you. Je te donne rapidement une minute, rapidement s'il te plaît. Je te donne rapidement une minute afin que tu puisses partager ce live. Je te donne rapidement une minute afin que tu puisses partager ce live et afin que nous puissions commencer pour la gloire de Dieu. Je te donne rapidement one minute, please, share mes vidéos. Partage au maximum s'il te plaît. Invite le maximum de personnes s'il te plaît. Je vais parler de deux choses très très importantes par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses partager ce live. C'est toi que j'attends. Partage rapidement, invite le maximum de personnes. Dès qu'on atteint la barre des 500 personnes, je vais entrer dans les choses profondes pour la gloire de Dieu. Rapidement, 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 s'il te plaît. Voici le direct qui est là. Voilà. Voici le live, d'accord?
Mettez-moi les cœurs ici. Tout le monde, mettez les cœurs ici. Et là, vous appuyez sur partager et vous partagez dans les groupes. C'est simple. C'est très simple. Mettez-moi les cœurs et partagez ce live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs et partagez ce live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Mettez-moi les cœurs et partagez ce live pour la gloire de l'Éternel. Mettez-moi les cœurs et partagez ce live pour la gloire de, pour la gloire de Dieu. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux parler des choses très, très importantes. Invitez, s'il vous plaît, le maximum de personnes. Ici. Mets les cœurs ici. Et là, tu appuies sur partager. Tu partages dans tous les groupes qui sont là. Voilà. Ici, partagez. Et partage dans tous les groupes, s'il te plaît. Partage dans tous les groupes. Et envoie-moi les étoiles. Les étoiles sont là. Envoie les étoiles rapidement, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y rapidement, s'il te plaît. S'il te plaît. Je veux qu'on aille très, très rapidement par la grâce de Dieu. Je veux qu'on aille très, très rapidement, s'il te plaît. Partage au maximum. Éternel, prends le contrôle de ce live. Que la chair se taise. Que ton esprit fasse du bien au maximum de personnes, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'aimerais parler de deux choses ou trois choses, d'accord? Mais la première des choses concerne un homme qui est connu, hein, d'accord? J'ai même mis son nom en haut et sa maman, d'accord? Sincèrement, je ne voulais pas parler par rapport à cela, d'accord? Je ne voulais pas parler par rapport à cela. Oh oh, appelle-les-moi, tag-le s'il te plaît. Je ne voulais pas parler par rapport à cela. Mais l'Esprit Dieu m'a mis à cœur d'en parler. Amen. J'ai essayé de parler. Partage-moi ce live s'il te plaît avec cela, enfant de Dieu. Je dis, je veux qu'on atteigne rapidement un grand homme. Invite le maximum de personnes. Et si tu connais Bleu Brigitte, tag-la. Si tu connais Apoutou National aussi, tag-le. Tag-les. Je veux qu'on soit un grand homme avant que je puisse commencer à parler de ce genre de choses. Tag-les rapidement, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu. Appelle, appelle, appelle. Dis que le prophète ange Josaphat est en direct pour parler de quelque chose d'un peu important. Voilà. Dès qu'on atteint la barre des 500 personnes, je vais rapidement en parler par la grâce de Dieu. Très, très important. D'emblée, ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas parler par rapport à ce que l'Esprit Dieu m'a montré. Je ne voulais vraiment, vraiment pas en parler. Vraiment, vraiment pas. Pourquoi? Parce que je vous ai plusieurs fois dit que il y a des choses dans lesquelles je ne veux plus vraiment orienter les enfants de Dieu. D'accord? Parce que généralement, les gens ont beaucoup de mépris concernant les prophéties. Lorsque tu donnes une parole de prophétie, les gens ont beaucoup, beaucoup de mépris par rapport aux prophéties. Tu vois? Même si ces prophéties arrivent et ces prophéties sont avérées, les gens n'aiment plus les prophéties. Tu sais pourquoi? Parce que le diable a mis dans le cœur des enfants de Dieu de ne plus écouter la voix prophétique dans l'église, ni de ne plus écouter la voix prophétique tout court. Tu vois un peu? Et donc, ça fait en sorte que les gens n'ont pas amour pour la prophétie. D'accord? Mais l'Esprit Dieu m'a convaincu de pouvoir parler par rapport à ces personnes-là pour la gloire de Dieu. Et moi, je fais ma part. Après, le reste, c'est le Seigneur qui fera au nom de Jésus-Christ. D'accord? Écoutez-moi, lorsque Dieu donne une parole de prophétie pour une personne, tag-moi s'il te plaît cette dame. Je l'aime beaucoup. Tag Bleu Brigitte et tag aussi Apoutou National. Tag-les maintenant, s'il te plaît. Voilà. J'ai essayé de l'appeler. Je pense qu'il n'a pas décroché ou n'a pas vu, je ne sais pas. Ou peut-être il a changé de numéro, je ne sais pas. Donc, tag-les maintenant, s'il te plaît. Tag-les maintenant. Je veux parler par rapport à cela pour la gloire de Dieu. Alors, je disais tantôt que nous ne sommes pas nombreux. Hein. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Je veux que tu partages au maximum, s'il te plaît. Je veux que tu partages au maximum, s'il te plaît. Nous ne sommes pas nombreux. Oui, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan, je suis chez moi à Abidjan. Je vais avancer tout à l'heure. Mais je veux qu'on soit un grand nombre. On n'est pas nombreux. Partage au maximum, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes.
Invite tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Voilà. Donc, du coup, je disais tantôt que l'Esprit de Dieu m'a vraiment convaincu de pouvoir parler par rapport à cela. Sinon, de ma propre volonté, je ne voulais pas en parler. Même si j'avais reçu la parole prophétique, je ne voulais pas en parler. Beaucoup peuvent recevoir les paroles prophétiques, mais je ne voulais pas en parler. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis vraiment à cœur pour que j'en parle. Voilà pourquoi j'en parle cet après-midi, d'accord? Ou même ce soir, je ne sais pas il est quelle heure chez toi, d'accord? Je pense que les personnes qui ont l'habitude de me suivre et qui me suivent depuis très très longtemps, vous allez vous rendre compte que j'étais l'un des rares hommes de Dieu ou des rares prophètes à pouvoir prophétiser pour la toute première fois sur ce jeune du nom de Aputu National pendant qu'il n'était pas encore très bien connu, hein, d'accord? J'étais l'un des rares hommes de Dieu à pouvoir annoncer cela il y a peut-être 2 ans de cela, d'accord? Et j'avais annoncé et j'avais dit quelque chose de très pertinent. J'avais dit que je le voyais dans la rue et c'est comme si elle l'avait blessé et qu'il fallait qu'on puisse prier pour lui. J'avais donné cette parole prophétique il y a de cela peut-être 2 ans, d'accord? 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais plus. Et quand j'ai donné la parole prophétique, je pense qu'un mois après, il était parti dans un lieu qu'on appelle Château Rouge, en France là-bas. Un lieu où j'ai visité peut-être une seule fois. Donc, il était allé là-bas, Château Rouge, Château de, je ne sais plus, j'ai oublié. Et il était parti là-bas et effectivement, la parole que j'avais reçue, c'était avéré. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas et c'est comme s'il était blessé. D'accord? Je pense que si les personnes qui étaient là lorsque j'en parlais depuis très très longtemps, dit papa, je me souviens, lorsque tu as parlé par rapport à ce jeune de Aputu National et que tu avais annoncé qu'il serait blessé et tout ça, et que la chose est arrivée. Il y a de cela très très... Oh, partage s'il te plaît, je vois pas, nous ne sommes pas nombreux, hein. Invite le maximum de personnes, je vais orienter. Avant de commencer à parler, moi je vais à la Genèse. Je vais très très loin. Parce que moi je ne prophétise pas lorsque les situations arrivent. Je prophétise avant que les situations arrivent pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle un prophète. Un prophète c'est celui qui annonce les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Un prophète c'est pas quelqu'un qui voit les choses puis l'annonce, non. Un prophète l'annonce les choses avant même que les choses n'arrivent. Il prend le temps de pouvoir annoncer cela pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc, j'avais parlé de cela il y a très très longtemps, peut-être 2 ans ou 1 an et demi, j'ai oublié. Et j'avais dit clairement, il fallait qu'on puisse prier pour ce jeune-là, parce que j'ai vu dans le monde spirituel comme s'il était blessé parce qu'il marchait, il partait quelque part. 2 mois ou 1 mois après, je ne sais plus, il est allé dans un lieu qu'on appelle Château Rouge ou Château d'Eau, ou je ne sais pas, et il était effectivement blessé. Et je pense qu'il en a parlé un peu rapidement. Qui s'en souvient? Rapidement, dit papa, je m'en souviens, j'étais présent. Alors, plus tard, après cela, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole prophétique encore par rapport à ce jeune-là. Il faut comprendre clairement que, je vous ai toujours dit que lorsque Dieu parle par rapport à des personnes qu'on appelle des stars, entre guillemets, ou des personnes qui sont comme des influenceurs, entre guillemets, ou des artistes, des cinéastes, des vidéastes, lorsque Dieu parle par rapport à des personnes qui sont connues, c'est dans le but de pouvoir les gagner à Christ et pour qu'elles puissent drainer du monde. D'accord? Je t'ai dit, à l'instar de Kanye West, lorsque Dieu le gagne, il peut gagner le maximum de personnes. À l'instar de Justin Bieber, lorsque Dieu le prend, il peut gagner le maximum de personnes. À l'instar de Claire Bailly, lorsque Dieu la prend, elle peut gagner le maximum de personnes. D'accord? J'étais avec elle à Novotel Paris Est. Nous avons fait un très grand programme qui a été une véritable réussite. Dieu s'est manifesté puissamment. Si tu vois le dernier direct que nous avons fait, le dernier live hier, nous étions en direct depuis Novotel et c'était extraordinaire, c'était puissant, d'accord? Parce que les personnes que les gens appellent comme des stars sont des potentiels évangélistes pour gagner le maximum de personnes, d'accord? À l'instar aussi de Richard Crémé, d'accord? Qui est venu maintenant dans le Seigneur, qui est un gagneur d'âme extraordinaire. Donc lorsque Dieu parle par rapport aux nations, lorsque Dieu parle par rapport aux autorités, c'est de le simple fait de pouvoir les gagner à Christ et qu'ils puissent gagner le maximum de personnes, d'accord? Partage ce live s'il te plaît. Et je me souviens, j'avais parlé par rapport à cela. Et la chose est arrivée. Une deuxième fois encore, j'avais reçu une parole prophétique par la grâce de Dieu. Et j'avais pris le temps d'annoncer sur les réseaux sociaux de façon voilée. Et il m'avait contacté, j'avais pris le temps de prier, et tant soit peu. Et j'avais donné une parole prophétique, d'accord? Et cette parole prophétique que j'ai donnée là, cette parole prophétique s'est accomplie. Et ensuite, vous avez vu, il a fait sortir sa marque de vêtements, AP, et quoi d'autre encore. Il a fait sortir encore une chanson, tout ça. Ce sont des prophéties que je lui avais déjà données dans le secret, d'accord? Et je pense qu'il a pris le temps lui-même d'en témoigner lors de l'un de ses directs, d'accord? Qui est même passé sur une autre plateforme et tout ça. Je pense que vous vous souvenez très bien. D'accord? Et il avait en parlé par rapport aux paroles prophétiques que j'avais annoncées pour lui, d'accord? Pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque je te dis quelque chose par l'Esprit de Dieu, ce que je t'ai dit ne manque point d'arriver. Il est important de pouvoir
rappeler toutes ces choses afin d'expliquer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. D'accord? Je ne voulais vraiment pas en parler en public. Non, non, non. Je voulais vraiment ne pas dire cela et garder ça. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur vraiment que je puisse en parler. Voilà pourquoi j'en parle. D'accord? Le deuxième message pendant le confinement. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous suivait. Il a vu par rapport à cela. C'est très bien. C'est très important d'avoir des témoins comme cela pour la gloire de Dieu. D'accord? Oh oh, mon téléphone commence à être déchargé. Mon téléphone commence à être déchargé. Où je peux brancher mon téléphone même? Bon, allons-y. Espérons que ça ne se coupe pas en route. Partage-moi ce live. Nous ne sommes pas nombreux. Je vais parler des choses très importantes. Mets-moi les cœurs ici, ici. Mets les cœurs là. Tout le monde, mettez les cœurs. Et ici, appuyez sur partager. Voici les groupes. Et tu partages dans tous les groupes. Je veux qu'on atteigne un grand nombre, s'il te plaît. Je veux qu'on dépasse maintenant la barre des 500 personnes. Voilà. Donc, je disais tantôt que ce jeune-là, j'avais pris le temps de pouvoir annoncer plusieurs choses dans le passé. Et ces choses sont arrivées. Et dernièrement, j'avais annoncé une autre chose dont j'avais discuté avec lui. Et la chose s'est manifestée. Vous avez vu qu'il a fait sortir sa marque de veste, d'accord, AP et beaucoup d'autres choses pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses que j'avais pris le temps de pouvoir expliquer un peu avec beaucoup d'humilité, d'accord. Je me souviens même que sa maman était venue me voir. J'avais même acheté deux vestes. Voilà. Ce que je vais dire sur cet après-midi est très très important. Est très très important. Il faut comprendre que lorsque Dieu passe par ses serviteurs pour parler par rapport à une personne, c'est parce que Dieu aime cette personne. Sinon, Dieu n'en a même pas parlé. Dieu n'avait même pas fait cas de toi. Dieu n'avait pas fait cas de quelqu'un. Si Dieu passe par ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, Dieu passe par ses prophètes, ses serviteurs, pouvoir parler par rapport à une personne, c'est que c'est parce que cette personne est importante vis-à-vis de Dieu. Si Dieu passe par le prophète en Josaphat que je suis, pour parler à un individu, pour parler à une personne, c'est que cette personne-là a une importance devant Dieu. Cette personne est importante. Et cette personne, sûrement que Dieu l'aime. Quelqu'un dira entre guillemets que Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Mais il y a des personnes que Dieu préfère. Et je te dis toute la vérité. La Bible dit Dieu fait acception des personnes. Mais il y a des personnes que Dieu a déjà choisies. Alors, ce jeune-là, avec beaucoup d'humilité, la main de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Voilà pourquoi je me permets de pouvoir me positionner là et de pouvoir en parler brièvement pour la gloire de Dieu. Le même prophète qui a prophétisé et qui t'a dit toutes ces choses qui sont en train de se manifester pour la gloire de Dieu est le même prophète qui vient parler encore. Le même prophète qui a parlé sur le Tchad et que la chose est arrivée, sur le Burkina Faso, sur la Côte d'Ivoire, sur la France, sur quelle nation encore, sur l'Haïti, avec le président haïtien Jovenel Moïse, sur quel élément encore, sur le coronavirus. Beaucoup de personnes crient au scandale et disent que personne n'a eu à annoncer le coronavirus avant que le Covid-19 n'arrive. Je t'ai toujours dit que peut-être c'est ton pasteur du quartier, peut-être qu'il n'a pas eu la grâce, mais le prophète que je suis, avec beaucoup d'humilité, j'ai pris le temps de pouvoir annoncer aux enfants de Dieu et aux personnes qui me suivaient pour leur dire qu'il y a quelque chose qui arrive et cette chose va commencer au niveau de la Chine et qui va détruire le maximum de personnes. J'avais pris le temps d'en parler. Ça y est encore sur les réseaux sociaux. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, le Covid-19, personne n'a eu le temps de pouvoir nous dire qu'il y a quelque chose qui allait arriver et tout ça. Écoute-moi, le prophète que je suis, je t'ai dit clairement qu'il y a un virus qui arrive et ce virus allait commencer au niveau de la Chine et qu'il allait détruire le maximum de personnes. J'ai pris le temps de dire ça. Peut-être qu'en ce temps, tu ne me suivais pas, je ne sais pas. Mais j'ai pris le temps d'annoncer cela. Oui, après tu vas, tu fouilles sur la plateforme Facebook, là, tu fouilles en bas là-bas, tu vas voir la vidéo encore là. Ou peut-être dès que je trouve, je vais reposter cela pour que tu puisses voir ça. D'accord? Parce que lorsque le prophète que je suis, je parle, ce que je t'ai dit ne manque point d'arriver. Quand je t'ai dit quelque chose, ce que je t'ai dit là, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est ça. Ce que je t'ai dit ne manque point d'arriver, ça ne peut pas manquer. D'accord? Voilà pourquoi je dis généralement qu'il faut qu'on puisse intercéder dans le monde spirituel. D'accord? Pour la gloire de Dieu. Si vous pensez que nous sommes au 21e siècle et que Dieu ne parle pas, vous avez fait une erreur.
Si vous pensez que nous sommes au 21e siècle et que tous les hommes de Dieu sont des menteurs, vous avez fait une erreur. Amen. Je parle à tous les enfants de Dieu. Si vous pensez que nous sommes au 21e siècle et que tous les prophètes et que tous les hommes de Dieu sont des menteurs, vous avez fait une erreur. Je suis en train de préparer le cadre avant de donner la prophétie et avant de donner rapidement le message. D'accord? Il faut que tu puisses savoir, il faut que tu puisses avoir d'abord la foi en toi avant de donner le message. Aussi le message pour la Côte d'Ivoire. Amen. Il faut comprendre que si peut-être nous sommes au 21e siècle et que les gens parlent de virus, coronavirus, de mensonges, de vol, de viol, où tu vois beaucoup d'hommes de Dieu en train de faire des abominations, en train de coucher avec leurs filles spirituelles, coucher avec toutes les chantres de l'église, en train de pratiquer de la science ésotérique, aller jusqu'à prendre le feu étranger pour le mettre dans la maison de Dieu et commencer à faire des choses abominables. Il faut comprendre clairement qu'il y a aussi des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu qui craignent Dieu au 21e siècle. Et ce qu'ils disent ne manque point d'arriver parce qu'ils n'ont point fléchi les genoux devant Baal et qu'ils se sont consacrés, sont mis à part pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Que ton esprit soit ouvert pour comprendre la parole que je vais donner. Alors, j'aimerais rapidement parler par rapport à ce jeune. Et j'aimerais lui dire clairement. D'attendre encore un an avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire. Je répète. Et je réitère. J'aimerais dire à ce jeune d'attendre encore une année. Vois si tu veux deux années. Vois si tu veux trois années. Mais une année avant de mettre les pieds au niveau de son pays natal, la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais lui dire, peut-être qu'il prie déjà, mais c'est important de redoubler d'efforts dans la prière. I repeat again. Partage-moi ce live. Nous ne sommes pas nombreux. Hein. C'est comme 600. Nous ne sommes pas nombreux. Je veux qu'on atteigne rapidement le grand nombre. Amen. Je veux qu'on atteigne. Attends. Je te montre rapidement comment on partage. Voilà la vidéo qui est là. Voilà. Mets les cœurs ici. Tout le monde. Mettons les cœurs ici. Et là, tu appuies sur partager et partage dans les groupes. Partage dans tous les groupes qui sont là. Partage au maximum et envoie les étoiles. Je ne vois pas tes étoiles. Hein. Je ne vois pas tes étoiles. Alors, je disais tantôt que ce jeune-là, du nom de Aputu National, qu'il fasse au moins une année encore avant de venir en Côte d'Ivoire. C'est le conseil prophétique et la révélation que je lui donne. I repeat again. Qu'il fasse encore une année en France avant de venir en Côte d'Ivoire. Tu sais, moi, je ne suis pas pasteur. Hein? Moi, je suis prophète. Serviteur devant l'Éternel. Et ces paroles que je te donne, ces paroles que je donne, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je le dis pour la gloire de Dieu. Je ne le dis pas pour un gain sordide. Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que plus tard, par la grâce de Dieu, plus tard, je crois fermement que Dieu va t'utiliser. Je crois fermement cela. Alors, il ne faut pas que quelqu'un puisse court-circuiter ta vie et court-circuiter ta destinée. Ta destinée est glorieuse et ta destinée est importante. Il ne faut pas que quelqu'un puisse court-circuiter cela. Il ne faut pas que les gens, par jalousie, mais parce qu'ils sont aigris, des sorciers ambulants, puissent commencer à faire des choses qu'on appelle des guet-apens dans le monde de l'esprit et que cela puisse t'atteindre et atteindre ta destinée. Ça ne sera pas bénéfique ni pour toi ni pour personne. Un homme sage voit le mal venir de loin, il s'en détourne. Un homme insensé l'embrasse. Et je crois en ce que tu es un homme sage, il faut t'en détourner. Je crois en cela. Je crois fermement en cela. Je donne la parole prophétique telle que je l'ai reçue pour la gloire de Dieu. Je ne rentre même pas en détail pour te dire qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps et tout. Mais je te donne la parole prophétique. Je dis clairement et je le réitère pour que tu puisses bien entendre, mais quelqu'un puisse bien entendre. Faites la capture de l'écran et puis envoyez ça à mon fils Aputu. Envoyez-lui ça, s'il vous plaît. Dites-lui que le prophète Ange Javat a parlé devant tout le monde. Et le prophète Ange Javat a dit, nous sommes en 2020.
D'accord, nous rentrons en 2021. Qu'il atteigne un an avant de revenir en Côte d'Ivoire. Même si peut-être les gens l'invitent à des spectacles, je ne sais pas. La promotion de son album, je ne sais pas. La promotion de son single, je ne sais pas. Ou peut-être c'est la promotion des AP, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que je t'ai dit que tu devais être un cinéaste. Je t'ai dit que tu devais être comme un acteur plus tard. Je t'ai dit ça, que tu es une star. Que tu devais être quelqu'un de bien connu. Et voilà, les choses sont en train de se faire pour la gloire de Dieu. Mais attends encore une année avant de venir dans ton pays, que peut-être tu aimes tant. Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu, je le dis pour toi. Et si ma fille qui est là, comment elle s'appelle hein? Ah, elle s'appelle comment déjà? Bleu Brigitte, d'accord? Servante de Dieu. Si elle est là et qu'elle m'entend et qu'elle me suit, dis cela aussi à ton fils. Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. D'accord? Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. Je n'ai aucun gain, d'accord? Mais je le dis pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'en parler. Amen. Vous voyez, Saül cherchait les annexes. C'est vrai, non? Saül était en train de chercher les annexes. Il allait à gauche et à droite. Il cherchait les annexes. D'accord? Et son serviteur lui a dit, allons-y voir un prophète. Et lorsqu'ils sont allés voir un prophète, ils ont retrouvé les annexes. Parce qu'un prophète a habilité à te permettre de trouver. Un prophète est habilité à te permettre de trouver. Un prophète est habilité à te permettre de trouver. Un prophète te permet de trouver. Donc un prophète te donne la direction. Un prophète te donne l'orientation. Un prophète te donne la voie. Un prophète te donne la route pour la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Je ne suis non plus pas évangéliste. Je ne suis non plus pas docteur. Je suis un prophète de Dieu qui donne la parole prophétique. Parce que est-ce que je peux dire ça même? C'est pas bénéfique que tu sois là, d'accord? Et si tu priais peut-être 10 minutes, parce que je crois en ce que tu pries, si tu priais peut-être 10 minutes parce que tu es fatigué, redouble d'efforts, prie 20 minutes. Aussi, servant de Dieu, si tu priais peut-être 10 minutes, je parle de Bleu Brigitte, prie maintenant 20 minutes. Si tu priais 20 minutes, prie 40 minutes. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures. Montre dans la prière et pousse dans la prière. Tu n'as pas une autre alternative que la prière. Tu n'as pas quelqu'un d'autre que la prière. Parce que souvent les gens ne comprennent pas hein, que ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Et quand les gens ne nous aiment pas, peut-être qu'on dit que ah, on rigole. Mais ce que tu ne sais pas, les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Ah, tu ne sais même pas. Tu n'as même pas idée. Hein. Les gens sont même prêts à faire beaucoup de choses afin de pouvoir déstabiliser. Quand je parle de beaucoup de choses, je fais allusion à la science ésotérique, je fais allusion au maraboutage, au fétichisme. Je fais allusion à l'empoisonnement. Oui, 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 c'est de ça que je parle. Je fais allusion à des choses très, très démoniaques et sataniques. Oui. Et sûrement, la personne à qui tu t'attends le moins, peut-être que c'est lui qui est à la base. Peut-être ceux qui sont en train de parler au travers des réseaux sociaux, tu penses que c'est eux, peut-être que c'est pas eux. Peut-être qu'il y a une autre personne même qui est dans ton entourage, qui est comme un démon et un sorcier auprès de toi qui ne veut pas de ton bien. Alors, je te donne la parole prophétique selon l'Esprit de Dieu et je te dis clairement, attends encore une année. Et après cette année-là, tu pourras faire ce que tu veux. Mais pendant ce temps, fais ce que tu as l'habitude de faire et prie beaucoup. D'accord? Fais ce que tu as l'habitude de faire et prie beaucoup. Je donne la parole comme ça. Aujourd'hui est quand? Mardi 14 décembre. C'est comme ça que j'étais en train de parler la dernière fois par rapport au Burkina Faso. Et je vous disais clairement, il fallait qu'on puisse prier pour le Burkina Faso parce que je voyais des attaques terribles se manifester au niveau du nord. Et ces attaques allaient descendre jusqu'à Ouagadougou. Il fallait qu'on puisse prier. Et dans la suite des temps, nous avons tous vu ce qui s'est passé au niveau du nord du Burkina Faso. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Et je ne fais pas d'efforts pour voir. Je vois. Je ne fais pas des efforts pour voir dans le monde spirituel. C'est une grâce. Je vois. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Il y a une autre dame dont je vais taire le nom qui est aussi sur les réseaux sociaux et qui vend un peu les gaines. C'est ce que je peux dire comme ça. Elle vend les gaines. D'accord? J'avais pris le temps d'en parler à peut-être un an de cela et je lui avais dit clairement les choses qui allaient arriver.
même par rapport à sa séparation qui est en train de faire le buzz actuellement sur les réseaux sociaux avec un jeune et tout, beaucoup de clash et tout ça. Et par rapport à sa destinée, sa vie et tout ça. Il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu. Mais ils oublient l'essentiel. Mais Dieu les aime. Dieu les aime beaucoup. D'accord? En d'autres termes, quand je te dis quelque chose, ce que je te dis ne manque point d'arriver. Une autre chose que je vais dire. Si tu suis ce que je t'ai dit, gloire à Dieu. Hein? Si tu pries comme je t'ai dit, redouble d'efforts dans la prière et que tu ne viens pas d'ici un an, gloire à l'Éternel. D'accord? C'est ce que je peux dire. Une autre chose que j'aimerais dire rapidement par rapport à la servante de Dieu qui est juste à côté, sa maman. D'accord? J'aimerais dire quelque chose de tout simple. J'aimerais dire qu'il est important, rapidement, d'aller faire... Comment je peux dire ça? Parce que j'ai vu une attaque arriver vers toi. Et cette attaque-là... Oh, est-ce que je peux parler de ça? Bon, après, tu m'appelles par la grâce de Dieu. J'ai essayé d'appeler. Je pense que tu étais très occupé. D'accord? Mais j'ai vu une attaque pas bénéfique. D'accord? Oh, oh, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Et je ne vois pas les étoiles. Mets-moi les cœurs ici, tout le monde. Mettez-moi les cœurs ici. Et là, tu appuies sur partager et partage dans les groupes. Invite le maximum de personnes. Si c'était une petite fille qui était en train de se déshabiller pour commencer à montrer les choses bêtes là, tu allais partager. Mais quand on parle de la vie de quelqu'un, tu ne veux pas partager. Quand on parle des choses importantes, tu ne veux pas partager. Partage s'il te plaît. Partage rapidement s'il te plaît. Alors, oh, le monsieur est en train de faire Alawa Kubalo ici. Alors, par rapport à... Alors, par rapport à la dame qui est à côté, c'est sa maman. D'accord? Ah, voilà un peu. Il y a ma fille Bénédicte qui vient d'envoyer des étoiles. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je libère une onction de faveur et de grâce sur ta destinée. Alors, par rapport à sa maman, d'accord? Je vais parler ça rapidement. Hein. J'ai essayé de t'appeler, ça ne passait pas. Si tu peux m'appeler, si tu vois le direct, c'est bien. Je donne rapidement une dernière parole très, très importante. Il faut qu'on redouble d'efforts dans la prière. Ce mois de décembre jusqu'à dans le mois de février. Je répète encore. Il faut qu'on redouble d'efforts dans la prière ce mois de décembre jusqu'à dans le mois de février. D'accord? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu une attaque au niveau du cœur. D'accord? Et tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à remarquer des palpitations. Comme ton cœur qui bat vite. Tu vois? Tu vas commencer à avoir des palpitations, des brûlures ici. D'accord? C'est le plan de Satan. C'est une attaque de l'ennemi. D'accord? Et tu vas commencer à avoir une autre chose qui est au niveau de ton ventre. Comme des remontées gastriques, comme des ballonnements. C'est une attaque de l'ennemi. Je te dis cela. Je ne suis pas avec toi, tu ne m'as pas dit, mais je te dis pour la gloire de Dieu, pour que tu puisses savoir ce que l'esprit est en train de me dire. D'accord? Numéro 1, j'ai parlé des palpitations. Numéro 2, une attaque au niveau du cœur. Numéro 3, j'ai parlé comme des brûlures ici et aussi des ballonnements, tu vois? Comme des remontées gastriques, tu vois? C'est le plan de Satan. C'est le plan du diable. En cette fin d'année et jusqu'en février, c'est le plan du diable. C'est le plan de quelqu'un. Nous brisons cela par la puissance du Saint-Esprit. Je prends le temps d'en parler sur les réseaux sociaux, pas dans le but d'exposer. Non, loin de là. Je prends le temps d'en parler, parce que même déjà, j'ai essayé d'appeler, ça ne passait pas. Mais je prends le temps d'en parler afin qu'on puisse commencer à prier pour la gloire de Dieu. L'ennemi ne peut pas prendre le dessus. Il est encore petit. Il est très petit. Mais je donne cela, je donne ces paroles prophétiques afin qu'on puisse commencer à prier. Il y a une personne qui s'appelle Fleur Cyril qui vient d'envoyer 50 étoiles. Je libère une onction. Ah, là, c'est ma fille. Oh, c'est ma fille. Ma fille, elle te cherche. Hein? Ton mari, je l'ai appelé hier depuis, il ne décroche pas. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi dès que le direct finit, ma fille. On doit parler des choses importantes. On doit libérer la grâce, ma fille. Alors, je parlais vraiment avec beaucoup d'humilité par rapport à cette maman-là. D'accord? Je parlais avec beaucoup d'humilité pour que on puisse prier. Donc, redoublant d'efforts. Si tu peux contacter le prophète, tu contactes. Si tu es vraiment occupé, je te conseille de pouvoir prier, prendre un moment de jeûne, intercéder.
Voilà, d'accord? Intercéder, prier, vraiment, ouais, prie, d'accord? Prends un moment de jeûne, prie et tout ça par la grâce de Dieu, d'accord? Je le dis vraiment pour la gloire de l'Éternel, hein? Je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur. I am not pastor, I am prophet, I am big prophet for the glory of God. Ma fille Monou Karine vient de m'envoyer des étoiles. Ma fille, tu es bénie. Tu es bénie, ma fille. Quand j'arrive en France, tu sais que j'arrive directement à Montpellier. Il y a des choses qu'on doit faire, ma fille, pour la gloire de Dieu. Je libère une onction de prospérité et de gloire sur ta destinée au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amène m'intrigue de là où tu es. Alors, je parlais par rapport à ces deux personnages-là, rapidement. Je répète, je ne voulais vraiment pas en parler. Je ne voulais vraiment pas en parler. Je ne voulais pas vraiment en parler. Je voulais laisser ça. Mais l'Esprit Dieu m'a mis à cœur. Et pendant que je pars voir mon chantier comme ça, j'ai pris la décision de pouvoir en parler comme ça pour la gloire de Dieu. Alors, si elle m'entend, si tu m'entends, tu me suis avec beaucoup d'humilité, je te conseille de redoubler d'efforts dans la prière et de ne pas venir, s'il te plaît, d'ici une année. D'accord? Le diable est un démon. Le diable est un menteur. C'est un voleur. Vous savez pourquoi Dieu parle généralement à ses enfants par prophétie? C'est parce qu'il les aime. Vous savez pourquoi Dieu a parlé à Ézéchias, le roi Ézéchias, par le biais d'Ésaïe? Parce que Dieu aimait Ézéchias. Voilà pourquoi il lui a dit, va dire à mon fils Ézéchias qu'il va mourir. Et lorsqu'il est parti, lorsque Ésaïe est parti lui dire, Ézéchias s'est tourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Et le même prophète qui a dit que tu allais mourir, le même prophète est venu dire, en réalité tu ne mourras pas, mais Dieu ajoute 15 années sur ta vie. D'accord? Parce que Dieu aime ses enfants. Donc lorsque Dieu nous parle de ce genre d'attaque, de ce genre de situation, c'est parce que Dieu nous aime. Et Dieu veut nous épargner, Dieu veut nous protéger. Amen. Je libère la protection sur la vie de Aputu National, Stéphane Agbré, et je libère la grâce sur la vie de sa maman également, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, pour la grâce et pour la gloire. Et que tout plan de l'ennemi contre votre vie soit éradiqué jusqu'à la racine, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse abondamment de bien et que Dieu vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas de me contacter, non, loin de là. On est déjà en contact, mais de toute façon. Mais je ne dis pas ça. Je dis simplement, il ne faut pas qu'on vienne en Côte d'Ivoire encore une année et je dis qu'il faut qu'on redouble d'efforts dans la prière. D'accord? Et il faut que tu puisses aller prier par rapport aux palpitations, au cœur, ballonnement et tout ça, comme je l'ai bien dit. D'accord? Il faut qu'on brise cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'on casse cela in the mighty name of Jesus. Rapidement, tag-moi le maximum de personnes. Je vais parler de quelque chose d'autre. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs ici. Mets-moi les cœurs ici. Appuie sur partager et partage-moi dans tous les groupes pour la gloire de Dieu. Je pense que ce soir, au Dieu quand? Mardi. Oui, mercredi. Donc, demain, mercredi, nous avons un grand moment de prière en direct, d'accord? Demain, mercredi, nous avons un grand moment de prière, d'intercession et de révélation par la grâce de Dieu. Demain, mercredi, à partir de quelle heure? Demain, mercredi, à partir de 22h de Côte d'Ivoire, nous avons un très, très grand direct. Demain, à partir de 22h, heure de Côte d'Ivoire. Donc, ça sera en direct 23h, heure de France. Donc, demain, tout le monde se connecte à partir de 22h. Je donne rapidement l'information avant de pouvoir continuer sur une parole prophétique très, très importante. Partage le maximum de personnes. Demain, à partir de 22h, heure de Côte d'Ivoire, nous sommes en direct. 23h, heure de Paris, nous sommes en direct pour la gloire de Dieu. Un message fort et puissant. Aujourd'hui est le 14e jour de jeûne. Demain sera le 15e jour de jeûne. Et demain, 15e jour de jeûne, 1 plus 5 est égal à 6. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Et nous allons monter dans quelque chose de très, très important pour la gloire de Dieu. J'ai reçu quelque part l'Éternel. Waouh, il me reste 10%. On va aller très rapidement. Je ne pourrai pas. Oh my God. Cédric, God bless you pour les étoiles. Alors, excellent enfant de Dieu, ce que j'aimerais dire, ce jeudi et ce vendredi, nous avons un grand moment de réception prophétique pour l'année 2022. Ce jeudi-là et ce vendredi. Donc, contactez rapidement le secrétariat Maman Déborah, d'accord? Et ce jeudi et ce vendredi, nous avons réception prophétique à Abata, la Cité du Bonheur, après Mondial Béton. Ce jeudi et ce vendredi, d'accord? Et le dimanche, nous avons un culte de puissance. Tout le monde s'habille en blanc également et tout le monde prend une pomme ou un fruit, n'importe quel fruit, d'accord? Ce dimanche à Abata, la Cité du Bonheur, à partir de quelle heure? 9h30. Tout le monde en blanc et tout le monde avec un fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Soyons là et soyons présents. D'accord? Le dimanche 26, voilà. Pas ce dimanche-là.
Le dimanche 26, nous faisons le déménagement officiel de l'église Saint-Titu of the Lord au niveau de Fekessé. D'accord? Carrefour Fekessé, arrivé au Carrefour Fekessé, vous prenez un taxi, vous dites Carrefour Mauritanien. Attends. Fils, ici là c'est Carrefour Mauritanien, non? Voilà. Carrefour Mauritanien, d'accord? Vous prenez Abata. Dès que vous dépassez le feu d'Abata, il y a un autre feu qui est le feu Carrefour Fekessé. Fils, Carrefour Fekessé, non? Donc, Fekessé, d'accord? Voilà. Je vais rapidement parce que je suis presque déchargé. Je vais donner cette prophétie rapidement. Et donc, je donne les informations. Le 26, le dimanche 26, nous déménageons. Nous ne serons plus à Abata, la cité du bonheur. Hein? Le dimanche 26, nous déménageons. Nous ne serons plus à Abata, la cité du bonheur. Nous serons maintenant au Carrefour Mauritanien, d'accord? Donc, ça veut dire au rond-point de Fekessé. Après Abata, il y a Fekessé, d'accord? C'est un rond-point, d'accord? Vous rentrez à gauche. Vous dites Carrefour Mauritanien, c'est où ça? Au Carrefour Mauritanien, dès que vous arrivez au Carrefour Mauritanien, c'est simple, l'église Saint-Titu of the Lord. Donc, ce 26-là, nous allons distribuer les cadeaux gratuitement aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Donc, le dimanche 26, c'est distribution de cadeaux et de vivres. Le dimanche 26, c'est distribution de cadeaux. Nous allons distribuer les cadeaux aux enfants, aux orphelins, aux veuves, le dimanche 26. Amen. Et ça sera l'ouverture maintenant de l'église Saint-Titu of the Lord. À partir de quelle heure? À partir de 8h00, nous nous retrouvons tous au Carrefour Mauritanien. D'accord? Après Carrefour Fekessé. Fekessé est là. Tu prends à gauche, tu demandes Carrefour Mauritanien, on te dépose là. L'église est juste à côté. D'accord? L'église est juste à côté. D'accord? Voilà. Après, je vais te mettre ça en gros caractère et puis tu vas voir ça par la grâce de Dieu. Donc maintenant, à partir du 26, nous ne serons plus à Abata, la cité du bonheur. Ce dimanche-là, nous sommes à Abata, la cité du bonheur, après Mondial Béton. Mais le dimanche prochain, dimanche 26, d'accord, nous sommes au Carrefour Fekessé, après Carrefour Mauritanien. Voilà, c'est ça. Carrefour Mauritanien, Carrefour Fekessé. Donc, ça veut dire quand tu prends peut-être ton véhicule depuis Adjamé, tu prends le Baka, tu dis, tu descends à Carrefour Fekessé, tu descends au Carrefour Fekessé, Carrefour Mauritanien, tu es déjà arrivé. D'accord? Ou soit tu quittes, tu quittes où ça? Je ne sais pas. C'est pas comme en France ou dans une autre nation où tu vas dire qu'il y a le GPS. Mais tu vas, je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est Carrefour Mauritanien. D'accord? Tu arrives au Carrefour Fekessé, Carrefour Mauritanien. Voilà. Donc, le dimanche 26, nous nous retrouvons tous au Carrefour Mauritanien, à l'église Saint-Titu of the Lord, la nouvelle assemblée Saint-Titu of the Lord. Fils, va dire à Alexis que je suis là, faut pas m'appeler. Donc, le dimanche 26, oh Cédric a envoyé encore 50 étoiles. Oh Cédric, que Dieu te bénisse. Prends rendez-vous à la secrétaire. Je vais faire quelque chose pour toi. Alors, ce dimanche 26, envoyez vos enfants et vos petits-enfants pour venir prendre les cadeaux, s'il vous plaît. Venez rapidement, le dimanche 26, tu me suis depuis la Côte d'Ivoire. Viens prendre tes cadeaux, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu. D'accord? C'est la fête de Noël. Noël n'est pas démoniaque, n'est pas satanique, n'est pas diabolique. Noël vient de Dieu. Donc, tout le monde vient prendre ses cadeaux pour la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde, everybody. D'accord? Viens avec ton fils, viens avec ton enfant. Si tu as une veuve, viens avec elle pour la gloire de l'Éternel. D'accord? On se retrouve tous au Carrefour Mauritanien par la grâce de l'Éternel. D'accord? Donc, Carrefour Fekessé, ensuite Carrefour Mauritanien. On se retrouve à l'église Saint-Titu of the Lord le 26. D'accord? Et le 26 encore, tout le monde en blanc. Tout le monde en blanc. Le 26, tout le monde en blanc. D'accord? Et on va donner les cadeaux pour la gloire de l'Éternel. Amen. Et on va passer un temps fort dans la puissance et dans la gloire. Dans la puissance et dans la gloire. Dimanche 26, tout ça à Fekessé, Carrefour Mauritanien. Et directement à l'église. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous disais tantôt que demain, à partir de 22h de Côte d'Ivoire, 22h de Côte d'Ivoire, 23h de Paris, nous sommes en direct sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube, Instagram. Et Dieu nous fera beaucoup de bien parce que je veux monter dans une dimension extraordinaire de puissance et de gloire pour libérer la faveur et la grâce sur la vie de plusieurs personnes. Amen. Donc, on se retrouve, s'il vous plaît, ce dimanche-là, à Abata, la cité du bonheur, à 9h30, le jeudi et le vendredi, contactez rapidement la secrétaire Maman Déborah pour les réceptions prophétiques. Amen. Et le dimanche 26, nous sommes tous à l'église Carrefour Mauritanien, après Fekessé, pour partager des cadeaux au nom de Jésus.
Quelqu'un dit, si Noël vient de Dieu, est-ce que cela est dans la Bible? D'accord. Bon. Je ne sais pas quoi dire. Donc, est-ce que Facebook est dans la Bible? Pourquoi tu utilises? Manque d'intelligence. Que Dieu t'aide. Alors, vraiment, il faut qu'on soit là le 26 pour prendre nos cadeaux, pour venir participer à la gloire de Dieu, pour venir prier. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Ça sera un dimanche 26 et un dimanche de puissance. Venez avec les enfants, venez avec les parents pour les cadeaux, pour la gloire de Dieu et pour célébrer Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que sa faveur, sa grâce ne cesse de couler dans votre vie. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont reçu la prophétie pour ce jeu du nom de Aputu National et pour sa mère, s'il vous plaît, communiquez la parole prophétique. D'accord? Le temps étant parti parce que je suis déchargé, je ne pourrai pas donner la parole prophétique que j'ai reçue par rapport à cette nation du nom de la Côte d'Ivoire. D'accord? Mais je la donnerai ce mercredi-là. D'accord? Mercredi, je donnerai la parole prophétique. Ce mercredi. D'accord? Ça veut dire demain, à partir de 22h, nous nous retrouvons pour passer un temps dans la puissance et dans la gloire. Je vais donner des paroles prophétiques sur la France, sur la Côte d'Ivoire, par rapport aux élections au niveau de la France. Et je parlerai des choses vraiment très importantes. Quand je venais en Côte d'Ivoire, j'ai pris Air France. Et j'étais en business class. Quand je venais, j'ai vu, comment il s'appelle, ce président Zemmour. Oui, je l'ai vu. Zemmour, je l'ai vu et je pense qu'il partait prendre son vol également, d'accord, pour aller dans une autre nation. Pourtant, la veille, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur ce monsieur. Et je pars à l'aéroport Charles de Gaulle, je vois Éric Zemmour avec ses gardes du corps qui partaient, et il partait où ça? Il partait, comment je peux dire, prendre l'avion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? La veille, tu me parles d'Éric Zemmour, tu me parles de lui, et le matin, je pars à l'aéroport pour prendre mon vol, pour arriver au niveau d'Abidjan, sur Air France, et je vois Éric Zemmour avec des personnes. Demain, j'en parlerai, s'il vous plaît. Demain, je vais parler des choses importantes. Demain, je vais parler des choses très, très importantes. Il y a quelque chose que le diable est en train de préparer dans le monde spirituel. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Alors demain, s'il vous plaît, à partir de 22h heure de Côte d'Ivoire, 23h heure de Paris, on se connecte rapidement sur les plateformes Facebook, YouTube, Instagram. On se connecte pour manifester la puissance de Dieu. Je vais parler aux enfants de Dieu. Au Christ Ungoran, oh, je libère une onction de prospérité sur ta vie. Oh, oh. Christ Ungoran, merci pour la 75 étoiles. Que Dieu te bénisse. May God bless you abundantly. May God change your destiny. May God change your life in the mighty name of Jesus. Que Dieu te fasse du bien et que Dieu fasse du bien à ta vie et à ta destinée au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Je libère cette année une onction de faveur et de grâce, une onction de puissance et d'élévation. D'accord? Quelqu'un me demande, papa, c'est où le numéro de maman Déborah pour les réceptions en Côte d'Ivoire? Le numéro de maman Déborah est juste en haut. C'est plus 225 05 44 13 85 85. Quelqu'un me met rapidement le numéro de maman Déborah. Et toutes les personnes qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent rentrer en contact avec le prophète, par la grâce de Dieu, d'accord? Pour les réceptions, ou soit pour venir à l'église, le numéro est épinglé. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais passer un temps vraiment pour libérer la grâce après que j'ai donné les paroles prophétiques pour ces deux personnes. Malheureusement, je suis déchargé. Alexis, est-ce qu'il y a une prise là ici? On veut bien brancher mon téléphone. Une prise, on est là-bas. Bon. Waouh. Donc, du coup, il n'y a pas de prise. Bon, voilà. Que Dieu vous bénisse, que ça fera demain chez vous. On se retrouve demain, d'accord? Demain à partir de quelle heure? Demain à partir de 22h heure de Côte d'Ivoire, 23h heure de Paris. On va monter fort. 22h heure de l'Angleterre. On va monter fort dans la faveur et dans la grâce, d'accord? Je ne suis pas dans ma GLC. Cette voiture-là, elle n'a pas de le bout là n'est pas pareil comme mon téléphone parce que comme j'ai un iPhone 12, donc c'est pas le même bout, donc je peux pas changer ça dans ma voiture. Voilà, si j'étais dans l'autre voiture, c'était plus avantageux, mais je peux pas. Donc du coup, on pourra pas continuer, ça va se couper tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que demain, nous nous retrouvons à partir de 22h heure de Paris, 22h heure de Côte d'Ivoire, 23h heure de Paris. Mets ton réveil, s'il te plaît, et
sois présent. 22h, heure de Côte d'Ivoire, net, nous sommes en direct. Quelqu'un dit, c'est Kakou Philippe, notre prophète. Gloire à Dieu. Mais tu fais quoi ici? Je ne sais pas, souvent dans ta tête, il y a un problème. Hein? Oh. Faut aller voir ton prophète maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je libère une onction de faveur et de grâce sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est là rapidement en deux minutes. Il y a une personne qui est là à qui je parle, qui s'appelle précisément et clairement Estelle. Je parle à la vie d'Estelle. Et l'Esprit de Dieu me charge de te dire, en cette fin d'année, il faut que tu fasses une action prophétique avec un fauteuil. Estelle. Il y a une autre personne qui est là aussi à qui je parle. Tu t'appelles clairement Irène. Irène. L'Esprit de Dieu veut que tu fasses aussi une action prophétique avec un fauteuil. Un fauteuil, afin que 2022 soit une année de stabilisation et stabilité pour ta vie. Je parle à une autre personne qui s'appelle Mathilde. Mathilde, l'Esprit de Dieu veut que tu fasses aussi une action prophétique avec un fauteuil pour que 2022 soit une année de stabilité et de stabilisation pour ta vie et pour ta destinée. Je parle à la vie d'une personne qui m'entend et qui me suit. Son nom, c'est Ongora. Je parle à ta vie et je prie pour toi. Tout plan de Satan sur ta destinée est brisé. Je parle à la vie d'une personne qui m'entend et qui me suit, qui s'appelle Aimé. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, il faut que tu puisses acheter une chaise et la mettre dans la maison de Dieu. Je parle à la vie d'une autre personne à qui je parle. C'est comme son prénom, c'est Quadio. Je te vois dans mon esprit, tu t'appelles Quadio. Et l'Esprit de Dieu me charge de te dire, cette fin d'année, il faut que tu donnes une chaise à la maison de Dieu pour ta stabilité. Il y a d'autres, j'ai dit des fauteuils, il y a d'autres, j'ai dit des chaises. Écoutez très bien, l'Esprit de Dieu veut changer votre vie et changer votre destinée. Là où la mort avait frappé, je déclare la vie dans ta destinée au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Tout esprit qui s'est levé contre toi est paralysé par le feu et par le sang. My God, mes yeux sont ouverts. Il n'y a pas de temps. Le téléphone est déchargé. Marata Braidaha Tabraidaha. Je suis en train de prier à une personne qui est là. Tu me suis pendant que je parle. Tu as une Toyota Corolla. Et l'Esprit de Dieu me charge de te dire, il faut qu'on fasse une action prophétique de peur que quelque chose se passe. Il y a une autre personne, pour elle, c'est une Mercedes. Mais une Mercedes classe A. Tu m'entends pendant que je parle. L'Esprit de Dieu veut qu'on prie sur ton véhicule. De peur que le diable puisse venir s'aimer livrer. Il y a une personne qui est là à qui je parle, qui a décidé de prendre le véhicule pour aller à Boaké. Tu me suis pendant que je parle. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, fais très attention, ne va pas. Ne va surtout pas. Je parle à une autre personne qui m'entend et qui me suit depuis Yaoundé. L'Esprit de Dieu veut changer ta vie et changer ta destinée. Parce qu'il y a un problème entre toi et ta mère pendant que je parle. Le diable est passé par là. Je brise cela par le feu et par le sang. Écoute-moi, il y a une personne à qui je parle qui est là pendant que je suis en train de parler. Elle s'appelle Sarah. Mais je la vois comme elle est en train de chanter. L'Esprit de Dieu veut changer ta vie et changer ton cœur. Ton cœur est encore impie. Ton cœur doit être changé et transformé. L'Esprit de Dieu veut que tu puisses entrer dans la repentance et que tu puisses entrer dans la faveur et dans la grâce. Parce que Dieu veut changer ta destinée. Tu as besoin de libération, de délivrance. Il faut que tu ailles voir ton père spirituel. Je prie pour la vie d'une autre personne qui m'entend et qui me suit, mais son nom que je vois dans mon esprit, ça ressemble à quelqu'un qu'on appelle Anno. Anno. L'Esprit de Dieu veut changer ta vie et changer ta destinée. Et l'Esprit de Dieu veut apporter la grâce et la faveur sur ta vie. Fais très attention à Anno, de peur que le diable puisse venir s'aimer livrer dans ta vie. Je prie pour une personne qui m'entend, qui me suit depuis le Sénégal. Je te vois dans l'église catholique et je te vois dans l'église évangélique. Je te vois maintenant dans les deux églises. L'Esprit de Dieu veut que tu puisses faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu puisses être concentré et stable. Parce que 2022 est une année de bénédiction pour toi, mais aussi également pour ton épouse et pour tes enfants. Je suis en train de prier pour une autre personne qui m'entend et qui me suit, qui s'appelle Guy. L'Esprit de Dieu veut changer ta vie. Et Dieu me dit, il faut que tu puisses entrer dans l'appel qu'il a prévu pour toi. Je prophétise ce soir que Dieu libère tous les domaines de votre vie. In the mighty name of Jesus. Oh my God. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes au 14e jour de jeûne et demain est le 15e jour de jeûne. Pendant tout ce temps, s'il te plaît, pendant tout ce temps de jeûne, nous prions pour demander l'onction. L'onction. Nous demandons uniquement l'onction jusqu'au 21e jour de jeûne. D'accord? Mais God bless you abondantly. On se retrouve demain à partir de 22h de Côte d'Ivoire, 23h de Paris. D'accord? Le jeudi et le vendredi, c'est le jour de réception. Ne m'appelez pas après. Jeudi et vendredi, jour de réception au niveau de l'église. D'accord? Contactez Maman Déborah. Et ceux qui sont à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, contactez les numéros qui sont épinglés. Mais God bless you. Shalom! Il y a quelqu'un qui a posé une question. Je vous ai dit le 26, nous déménageons. Ce n'est pas ce dimanche. Ce dimanche, nous sommes à Bata, la Cité du Bonheur. Mais c'est le dimanche 26 que nous ne sommes plus à Bata. Nous sommes au Carrefour Fekese, Carrefour Mauritanien. D'accord? Tout le monde en blanc. Que Dieu vous bénisse et shalom.